Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, encore un tutoriel maquillage juste avant de partir en vacances. Voilà, j'ai voulu vous faire quelque chose d'assez coloré, le temps est super gris, enfin il pleut même chez moi, je suis en Normandie et il pleut. Mais j'ai quand même voulu vous faire un maquillage coloré, parce que je me dis que peut-être que certaines d'entre vous ont la chance d'avoir le soleil avec elle. Donc voilà ce que ça donne, c'est un maquillage dans les tons rose et jaune qui m'a été inspiré par mes boucles d'oreilles qui sont ici, que j'ai acheté chez Claire. Donc j'ai adoré, j'ai flashé dessus, donc je me suis dit que j'allais me faire un petit maquillage qui aille bien avec. Donc voilà ce que ça donne, j'ai voulu rajouter du eyeliner pour quelque chose d'un peu plus intense, après c'est chacun comme il veut, si vous préférez sans, vous faites sans, du soleil. Donc je vous fais ce petit maquillage et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors nous allons commencer par appliquer un jumbo de chez NYX, donc le blanc, le couleur Milk, sur toute la paupière mobile. Comme ceci. Ensuite, je prends un pinceau plat, comme celui-ci. Et je vais venir prendre un fard beige, ici. Voilà. Et je vais appliquer cette couleur en coin interne. Ensuite, je prends un pinceau plat, comme celui-ci. Et je vais venir prendre un jaune légèrement irisé, qui est celui-ci. Et je l'applique au centre de la paupière. Ensuite, je prends un pinceau précision, comme celui-ci. Et je vais venir chercher un rose. Alors, c'est un framboise, comme celui-ci. Ici. Et je le pose en coin externe. Et j'estompe le tout avec un pinceau estompeur. Ensuite, avec le même pinceau, un fard rose néon. Et j'accentue mon coin externe. Ensuite, je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour faire mon coin interne et le même fard beige que je place sous mon sourcil. Et que je viens estomper avec le même pinceau estompeur. Voilà, je remets un petit peu du rose néon. Et j'estompe. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau comme celui-ci. Je prends le jaune que j'ai mis au centre de ma paupière et j'en mets juste au niveau de mon coin interne. Et ensuite, je prends le rose néon. Ensuite, je mets mon liner. Donc, j'utilise le pinceau et mon gel liner de chez Maybelline. Pardon, je vais y arriver. Donc, ils sont vendus ensemble. J'utilise le même liner que je vais mettre dans ma muqueuse, donc en haut et en bas. Ensuite, je place mon mascara, donc toujours le volume Glamour Max Définition de chez Bourjois. Voilà pour le maquillage des yeux. Sur les lèvres, je vais venir prendre un rouge à lèvres chez Yves Rocher dans la gamme luminelle Les Rouges Dragées, dans la teinte numéro 66. Donc c'est un rose, comme ceci.
et je viens mettre du gloss, donc le 3D, effet 3D de chez Bourjois dans la teinte 04 rose polémique. Et voilà, ce maquillage est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!